Pourquoi Serge Gainsbourg avait autant de succès avec les femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, co-auteur de la formation de séduction à base de scènes de films, expert en séduction, et aujourd'hui on va parler de Serge Gainsbourg. Alors on me demande souvent d'expliquer pourquoi Serge Gainsbourg il a pu serrer autant de jolies filles en son temps. Alors il est de notoriété publique, il n'était pas une beauté et qui sentait la clope. Donc ça rassurerait en fait beaucoup d'hommes de comprendre ce qui a pu attirer les femmes chez Gainsbourg. Alors dans cette vidéo on va parler de ça et ça va être bon pour votre confiance en vous. Alors, je vais vous expliquer comment Gainsbourg a pu séduire autant de femmes. Bon, il était déjà naturellement très bon en séduction et ensuite je vais vous mettre un petit peu sur la piste. Si vous pouvez voir le film Gainsbourg vie héroïque, c'est un conte un peu, mais c'est super. Ce sont vraiment des bonnes répliques de drague, une bonne attitude. Vraiment, je vous conseille de regarder ce film. Alors, lui, il est sorti avec Brigitte Bardot, un sex symbole, Jane Birkin, etc. Donc vraiment, à son époque, il a fait fort. Alors, les atouts de séduction de Serge Gainsbourg, c'est quoi? Serge Gainsbourg, il était riche, il a été riche à un moment de sa vie, il a eu du succès, etc. Mais on sait que le fait d'être riche, ça aide à séduire. C'est un atout. Cependant, voilà, les meufs, c'est pas des putes qui sont prêtes à sortir avec juste un mec qui les dégoûte pour se faire entretenir. Donc il y a autre chose à comprendre. Gainsbourg était populaire, donc il avait également un bon cercle social, il était populaire, il se faisait des belles filles et ça se savait grâce aux médias. Donc en plus, il y avait la présélection. Les belles filles savaient qu'il sortait déjà avec des belles filles, donc il était déjà validé plus facilement. Gainsbourg semblait avoir confiance en lui, donc il était provocateur, artiste, ambitieux, mystérieux, poète, s'en tapait un peu du candidaton, et il semble qu'il était plutôt du genre à s'assumer. Donc ça c'est bien. Gainsbourg il était élégant et il avait du charisme, il s'habillait bien, notamment dans le biopic, là, le film, puis on peut nier qu'il avait un certain charisme. Il savait sexualiser, donc c'est un personnage sexuel limite pervers, ses chansons parlaient souvent de cul, de façon plus ou moins sous-entendue, les femmes ne pouvait donc que l'associer à du sexe en fait, et ça donnait envie à certaines. Dans son biopic, une chose ressort aussi énormément, c'est sa façon de parler aux femmes. Voilà, c'est un modèle du genre dans ce film. Même enfant, il savait déjà parler aux nanas dans ce film, tu vois. Donc, moi j'ai utilisé quelques-unes de ses citations dans Friendzone et Sexualisation. Si vous n'avez pas lu cet e-book, n'hésitez pas à aller le regarder ou à regarder ma formation de séduction à base de scènes de film. Vous allez vraiment kiffer. Bon, elle est beaucoup moins chère que mes autres formations de séduction parce que c'est pas moi sur le terrain, mais il y a quand même beaucoup de choses à en retirer, notamment au niveau de l'attitude, des répliques, etc. De comment avoir plus de charisme, etc. Intelligence et autodestruction. Ben, Gainsbourg, il était quelqu'un de cultivé, d'intelligent, il écrivait très bien, il était doué. En plus, il chantait sur scène et la scène, ça rend sexy. Alors, je pense pas qu'il faille miser sur le côté autodestructeur pour attirer les meufs, même si on voit que ça peut marcher pour Hank Moody, Chuck Bass, ben, même Gainsbourg, parce que ben, y a des femmes qui sont en mode infirmière. Mais c'est un peu contraire au principe du développement personnel qui est, voilà, on va pas devenir une épave juste pour baiser des meufs, tu vois. Cependant, voilà, j'espère que ça, déjà, ça aura rassuré certains d'entre vous sur le fait que la beauté n'est pas un critère sine qua non pour séduire. Mais bon, il y a quand même du travail à faire dans d'autres domaines pour arriver à attirer autant de jeunes et belles filles à soi, comme ça, juste un style de vie. Voilà, donc Gainsbourg, c'est une légende. Donc, voilà, gros respect à lui pour ce qu'il a pu faire, tu vois. Et je vous conseille vraiment, vraiment de regarder son biopic. Il y a des très bonnes répliques, une bonne attitude. Puis c'est un film très agréable, je trouve, à regarder. Moi, j'adore Gainsbourg, donc clairement, je suis pas objectif là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez aimé, à commenter. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Même si sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. Tous les liens sont dans la description. Il y a un guide gratuit à télécharger. Il y a aussi le groupe privé, la communauté de la séduction. N'hésitez pas à me rejoindre, à venir discuter avec moi dessus. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.